Télé image pour le moment, nous sommes Brooklyn. Brooklyn, c'est le bastion de la communauté haïtienne. Encore une fois, toujours sur question immigration, rumeur qui a fait couibri dit que la police immigration dans le pays américain a marché à arrêter monde qui n'a pas un papier. Haïtien précisément. Là, nous devant Carl's Bakery Restaurant, côté que tu as rumeur qui a circulé sur tous les réseaux sociaux, fait qu'on est qui a arrêté plusieurs Haïtiens en dedans Carl's Bakery. Et bien, nous entrons dedans, nous réalisons que ce n'est pas vrai. Nous posons des questions. Nous demandons des gens qui travaillent dedans, qui ont même tout tiré les propriétaires Carl's Bakery, qui même fait qu'on est que ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, demandez-nous en grâce démenti rumeur ça. Donc, mes amis, prenez ça nous poser parce que il y a des rumeurs qui ont circulé dehors, fait qu'on est qu'il n'y a pas arrêté Haïtien, Tribobabon dans la New York parce que il n'y a pas de papier sur eux. Ce n'est pas vrai. Une autre fois encore dans Carl's Bakery, eh bien, ça n'a pas jamais arrivé fait. Mais ça nous remarquer dans l'affaire immigration. Cause immigration, ça sont causé un petit genre délicat. Parce que pendant des années, nous, que nous avons des gens pentades, nous avons des gens peurs, nous avons des caméras nous braquer, nous avons fait interview ensemble avec eux. Il y a des gens qui ne veulent pas parler, des gens qui disent peur, peur, ils ne veulent pas les figures paraître. Propriétaire Carl's Bakery, lui-même, il a dans le téléphone, il dit ah, cause ça, il ne veut pas entrer là-dedans. Il n'y a pas un commentaire pour dire seul ça qu'il a dit, c'est que ce n'est pas vrai, il n'y a pas d'arrêté haïtien en dedans Carl's Bakery. C'est comme ça question tout le monde peut moi habité dans zone là moi te ouais que te gain fouille qui t'a fait mais il te dit c'est il a cherché un criminel mais après il a dit que c'est monde qui pas gain papier mais tant que haïtien pas tellement besoin prendre pression parce que dans liste là te gain on fait de 6 en pays mais il pas te mettre haïtien là-dedans parce que m'a regardé gouvernement ça semblait li non en faveur haïtien pensez ça yeah. Oui, zanmim text mwen li dim ke yo arrete 40 moun an dan. So, li te bezwen konnen eske se vre paske an pil moun peur. Yo konnen ke nou antre an dan, nou mande moun kap travay yo di se pa vre, pa gen arrestasyon ki te fè an dan kal travel e jou sa. Genyen Bobby tou ki pa tro lwen la, ou tande bouyan tou? Oui, mtande sa yo di Bobby, yo antre nan Bobby e yo arrete tout moun men moun kap achete. Yo mande yo carte d'identité yo juste pour mon ça on d'abord se connait est-ce que c'est vrai yeah ouais qui j'ai rumeur à circuler tout ça c'est rumeur c'est ça qui fait n'a fait travail ça nous même en télé mais qui sont penser de rumeur ça d'après vous eh ben Jean ba yo pour aller là en pile monde peur monde qui gagne TPS yo peur yo besoin connait qui ça qui arrive puis devant haïtien pas besoin peur pas quoi dans liste là yo a favoriser quand même. Ou d'accord, tout puisque vous dites dans la zone, vous êtes prétendu que là, devant Carl's Bakery, ou contre Carl's Bakery, son côté qui est très populaire, vous êtes entré, la police immigration ici, vous êtes venu arrêter haïtien. Autant de ça tout, ben c'était vrai ou c'est pas vrai? Pas quoi, parce que, tant que qui c'est vrai, qui c'est pas vrai, tant que haïtien, pas dans l'islam, et tant que vous favorisez haïtien. Mais ça, moi, j'ai entendu, c'était mon yot à chercher. Yon criminel. So, tant que moi, dit, haïtien, pas besoin de peur, lui-même, pas qu'on est pour l'autre pays. En l'autre nation mais haïtien pas besoin peur. Et au même personnellement, on pas peur ou même. Moi même pas peur parce que j'ai tout papier, so ça fait pas peur même grand pile zanmi qui gagne qui pas normal. So ça fait mon peur. Et au même, on pas un problème, on va que sauter et l'autre de toute cause ça. Citizen, moi pas peur. Télé image toujours dans Brooklyn fois ça nous vinn là devant Bobby Store. Bobby Store son gros department store dans la cour Brooklyn côté que en pile haïtien a travaillé dans Bobby Store. En pile haïtien c'est là vinn acheter tout. Et ben nous vinn garder, nous vinn fouiller, nous garder ensemble avec caméra, nous micro, nous pour nous voir qui gens question et activité a mené très bien. Comme ça doit, comme d'habitude. Et là entre dedans, manager a permettre nous filmer dedans, n'a regarder dedans Bobby Store là, nous voir plusieurs haïtiens qui travaillent, nous voir en pile client tout. L'en poser manager la question à savoir est-ce que c'est vrai que immigration ici aux États-Unis t'est venu arrêter en pile monde dans store là monsieur saisi il dit malheureux pas rien pareil comme ça du tout alors on dit nous manager Bobby Store là pas haïtien ils sont étrangers il fait qu'on est tout grand pile monde en pile nous même haïtien qui a pédé reler dans store là demander est-ce que c'est vrai à pas arrêter monde dans Bobby Store ce ne sont que des rumeurs fausses nouvelles rumeurs mes amis qui a circulé dans la cour New York qui a fait panique ça et ben créer une hantise de peur. Il y a des monde qui nous demandé parler tout pendant passer sur trottoir là, il pas voulait parler. Nous comprenons ça, nous respectons que un pile monde pas veut montrer figure en caméra surtout les a parler de immigration. Mais nous même dans télé image nous fait devoir nous. Nous vinn là devant Bobby Store pour nous montrer pour nous prouver pour tout bon vrai que c'est pas vrai. Rumeur que tu as arrêté 70 monde dans Bobby Store, mes amis. Prends ça nous. OK. Et pendant que n'a parlé là, n'a regardé activité la police a fait dans la rue là dans la rue Brooklyn là, c'était justement sur Church Avenue où activité ça yo policier a travaillé. Nous approchons les policiers, nous parlons avec eux, off camera. Ils disent nous ne sommes pas comme ça du tout. Ce n'est pas ça qu'ils ont réglé là. Ils n'ont pas affaire à l'immigration eux-mêmes. C'est le travail de la police qu'ils ont fait. Donc, mes amis, une fois pour toutes, c'est l'image tranchée question. Faites différence entre nouvelles
information et rumeur et fausse nouvelle tout parce que grand pile faux rumeur.